Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve à nouveau du Hype Train, le fameux Hype Train, mais l'origine. J'avais jamais fait de vidéo directement sur ce train, donc le voici. Alors, vous voyez que la locomotive a beaucoup changé depuis les premiers temps. Et si j'ai mis la nuit, c'est parce que j'ai rajouté une lumière et qu'on la voit briller dans le noir. Mais je vais remettre slash timeset day. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Même faire timeset 6000. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux d'un point de vue couleur. Donc vous voyez qu'on a un Hype Train qui est tout à fait magnifique, je trouve, en toute beauté. Et on a même l'intérieur de la locomotive qui a été refait, enfin complètement refait, hein, c'est enfin plutôt fait en fait, entre guillemets, puisque avant il y avait rien, enfin mis à part juste ce petit truc là avec du feu. D'ailleurs j'ai enlevé le feu parce que c'était un peu bugué, mais voilà. Du coup on a par exemple ici, on a l'accélérateur, parce que je veux quand même vous faire une description du truc quoi, enfin on va quand même aller jusqu'au bout du RP. Donc ici on a l'accélérateur, donc ça c'est pour accélérer tout simplement, c'est pour mettre de la vapeur dans les pistons. Ici on a le frein, si je me rappelle bien, voilà, donc ça c'est pour freiner tout simplement, c'est injecte de, je crois aussi ça fonctionne encore avec de la vapeur, mais dans les, je sais plus si c'est de la vapeur ou si c'est mécanique, mais dans les freins tout simplement. Ici on a le sifflet, donc ça c'est pour hop, c'est pour annoncer le train quand il y a un passage niveau par exemple. Ici on a une vanne par exemple pour le souffleur, ou pour d'autres choses encore, les vannes ça sert pour différentes choses, hein, pour la locomotive. Et ici on a l'inverseur qui est réglé sur la sur l'avant par exemple, donc qui va vers l'avant. Donc l'inverseur c'est pour dire si le train va vers l'avant ou vers l'arrière tout simplement. C'est un peu comme une sorte de boîte de vitesse mais très simplifié. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la locomotive. Après les wagons n'ont pas changé, l'intérieur est toujours aussi propre, hein, ça va, donc c'est cool. Et je trouve ça vraiment cosy comme wagon, enfin c'est, on va se mettre là, regardez si c'est pas magnifique, on est à l'arrière du train. Alors malheureusement on se fait pas TP en même temps que le train, donc c'est un petit peu embêtant, mais voilà. Donc c'est vraiment un bon vieux train à vapeur, donc c'est assez cool. Donc on va le faire rouler, hein, c'est comme le but. D'ailleurs vous voyez ce magnifique butoir qui a été réalisé par par Ultimatech, je l'avais montré en Sochi Labs. Vous voyez qu'il est fait pour d'autres types de rails, que c'est pas vraiment les mêmes. Ici on a des rails XX, mais c'était parce qu'à l'époque je savais pas trop faire les proportions sur Minecraft. Et là on a des rails un peu plus cohérents, et encore c'est peut-être un petit peu trop large, mais bon. Donc du coup on va aller faire rouler le train, j'ai mis des corps en bloc pour tout au bout pour faire rouler le train, donc c'est parti. Vous voyez qu'on est dans un flat world overworld. Alors le train première, alors est-ce que ça se téléporte correctement? J'ai l'impression, ouais. Et vous voyez qu'on est en 1.14, et donc c'est plutôt cool. Là, vous aurez le pack dans la description, vous inquiétez pas. Par contre, je vous expliquerai pas comment l'utiliser, parce que j'ai mis des items sur... j'ai mis le train sur des items, en fait, et je me suis un petit peu débrouillé. Enfin bref. Enfin, voilà, il avance plutôt bien, c'est sympa. Hop, on va se mettre au bout, histoire de pas le rater, et de l'arrêter tranquillement. Bon, par contre, l'arrêt sera pas du tout smooth, mais bon. C'est vraiment un express, quoi. C'est le fameux Hype Train, c'est le Hype Train Express. Donc c'est vachement cool, je trouve. Ouais, voilà. Donc c'est un train vraiment mythique, je trouve. Peut-être qu'on s'en resservira. Donc on verra bien pour plus tard, bref. Bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, puis à me dire dans vos commentaires vos avis, vos retours par rapport à ce train. Et puis sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.